9 places dans ce bébé bus. C'est vraiment tout riquiqui. Oh non, 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 j'aime pas. On est dans une pente, mais je vous jure. Non, mais ça se rend pas. Mais il a fait. On voit la pente là. Encore. Et toujours des marches avant d'aller dans n'importe quel endroit où on veut aller. Pukchon village. Ici Adeline. Hello. Aujourd'hui, on vous retrouve parce qu'on est parti visiter un petit village qui s'appelle le Bukchon Village. On est près du quartier de Iwa, donc là où il y a le village Miral. On est un peu plus loin, on a dû prendre un minibus pour revenir jusqu'ici. Et en fait, c'est une sorte de village un peu semi-abandonné. Donc il y a encore des gens qui habitent. C'est un village très très vieux, il y a des gens qui ont dû quitter le village et en fait voilà, certaines maisons sont abandonnées. On est en pente là, c'est hallucinant. On est d'ailleurs tout près de la muraille, on est juste à la sortie de la muraille de Séoul. Et du coup on a vu sur la muraille, on a vu sur la ville, c'est vraiment magnifique. T'as quelque chose à ajouter? On va savoir. Regardez-moi cette toilette. Par contre, s'il y a un gars qui pisse, tu le vois. Hein. 2013. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est hyper chelou, genre on passe en face des toilettes, il y a la lumière qui s'allume et après il y a une petite musique qui commence à jouer. On va pas parler trop fort ici parce que c'est une partie résidentielle, donc on va pas trop déranger les gens. C'est hyper glauque, mais déjà cette porte elle a pas de poignée, regarde, elle est entrouverte, ça fait peur. Et en plus il y a un trou là, non, moi je m'approche pas, il y a des toiles d'araignée en plus. Attends, il y a un corbeau qui passe, moi je dis c'est un signe. Hein. Oh Laura, don't die, t'es folle, regarde pas. Oh là là, moi si t'arrives un truc je pars, hein, je m'en fous. Hein. Je pars en courant, déjà j'ai peur de passer là, qu'est-ce que je fais? Je passe. Oh non! Ça me fait peur cet endroit! Non mais en vrai, je vous jure, cet endroit me fait flipper. Ah, y'a un bruit! Je vous jure que s'il arrive un truc. Parce que je vais. Je pars en courant. Oh, une bibliothèque. Trop bien. Il y a une bibliothèque. Que j'ose aller là ou pas? Ça fait trop peur. Ah, déjà ça c'est hyper dangereux là, what the hell.
est trop jolie, viens voir. Oh non. Oh, j'aime trop. Les gars, si jamais vous ne retrouvez pas, venez chercher au Bukjeon Village. Village. Non, mais c'est chelou, j'aime. Oh non, arrête de faire peur comme ça, toi. Hein. Oh, un chat. Annyeong, koi annyeong, annyeong. Non, reviens. Petit chat. Non, la porte de la maison. Je te jure, je vois l'intérieur d'ici, ça fait peur. Déjà ça. On est où ici? Les zombies, c'est le truc de Negan. Oh non! Non! Non, on n'y va pas! Oh, mais vite, 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 avance! Comme ça, je peux courir! Oh non, les maisons sont barrées! Oh non, ça fait peur! Oh non, j'aime pas! J'aime pas, 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 j'aime pas! Oh là là! Y'a quelqu'un! Elle fait trop peur, hein. Elle est là-bas comme une folle. Elle est folle! Pourquoi y'a un truc, on dirait un sac mortuaire? Regarde! C'est un paillasse, un tapis, un truc chauffant. Oui, regarde là. Oh non, j'ai peur, avance d'abord. Oui, non, oh lolo. Oh, y'a rien. L'entrepôt, ça. Ça fait quand même peur. Je vais me chier dessus. Oh lolo lolo lolo. Les gars, c'est un endroit abandonné. Ça fait grave flipper. Oh non. Qu'est-ce que c'est que ça? En fait, t'as pas de pollution. Tout est pété. Tu vas marcher, tu vas tomber dans un trou, dans un portail dimensionnel ou j'en sais rien. Mais regarde-moi ça. Oh non, regarde cette porte! C'est des hippocampes! Mais ouais, des traces de mains, c'est quoi ça? Oh, non, c'est hyper glauque! Ça non! Oh! Oh non, ça fait peur! Je sais pas si on voit bien à l'écran, mais ils ont vraiment le sens du détail parce que les personnages n'ont pas tous la même tête. Genre ils ont pris le temps de faire des visages différents. Je trouve ça trop cool. Wow. Mais c'est trop bien! Thank you.
Ah, même ça, c'est cousu à la main, je suis choquée. Mmh. Même ça, c'est cousu à la main. On a trouvé un petit boui-boui. Bon les gars, comme vous pouvez le voir, on est toutes seules dans les boui-boui. Et c'est juste hallucinant parce qu'en fait, le cuisinier est sorti il y a genre 10 minutes de ça. Et là maintenant, en fait, la serveuse vient de sortir. Et donc on est toutes seules, ils nous ont laissé seules comme ça dans le restaurant. Et c'est un truc qui arrive assez souvent parce que franchement, en un an qu'on est resté ici en Corée du Sud, ça nous arrivait quoi? C'est presque au moins 5 fois je crois. Wow. Au moins 5 fois, les gens en fait ils sortent, ils vont faire leurs courses, puis ils reviennent, ils te laissent tout seuls. Ici le boui-boui, enfin, je veux dire, ouais. Mais des fois c'est dans les cafés, il y a de la déco assez chère, il y a la caisse, il y a les télés, il y a les écrans, il y a tout. Et ils laissent tout seuls et après ils s'en vont. Voilà. Only in Korea. Donc voilà, on termine la journée en mangeant notre petit plat. On termine la journée. Il est genre 14h30, mais voilà, la vidéo se termine maintenant pour vous. Du coup, on vous dit rendez-vous bientôt pour de nouvelles vidéos. Et comme on dit chez nous, Robèche. Ni trop loin. Hey, le soleil, la caméra, ça rend trop bien. I'm green. No. I'm black. Ça pue caca. Tu sens pas?